Oula oula, mettez les boucliers, ça va péter! Mettez les boucliers, les filles! D'où Jésus? D'où Jésus? Alors, des supplies, du merdier, des canons, des rayons, des petits fions, des petits fions! Plein d'XP et bien sûr des délicieuses et précieuses ressources. Faut toujours fouiller au moins 2-3 fois derrière. Même normalement 2 fois parce que la deuxième et troisième fois est dangereuse et tu perds des gens, mais tu gagnes tellement de ressources. Voilà, là ça finit d'être rentable. Ok, très bien. Ouh. Eh ben putain, ça fait du bien hein. J'ai pas surveillé ces planètes, ouais, mais d'abord pétons ces senseurs. Quoique non, allons surveiller les planètes d'abord. Je passe dans le corona du soleil, mais comme vous le remarquez, je ne perds pas plus de ressources que ça. Parce que j'ai le solar shielding, eh oui. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a ici? Des métaux. C'est une lune, elle sert à rien, très bien. Monde volcanique. Des métaux, c'est tout. Géante gazeuse. Des volatiles, c'est tout. Très bien. Débris field, ouais, donc c'est très bien ça. Donc ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Okay. Ok, très bien. Rien dans ce champ d'astéroïdes. Très bien. Allons explorer cette planète. Voyons voir. Oh, elle est habitable. Eh ben, grosse gravité par contre. Elle est chaude et il y a des temps de fou dessus. Mais elle est habitable. Et il y a même de quoi farmer. Il y a même quoi faire de la bouffe. C'est fou. C'est fou, c'est presque une planète viable. Enfin. On va pas faire de colonie, hein. On va d'abord explorer les ruines. Allez. Ah, pas de luck. Il me faut des alpha corps, moi, maintenant. En tout cas, elle est jolie, cette planète rouge. Ah oui, au fait, vous avez raison, mes généraux. Peut-être leur level up, hein. Alors, gunnery, plus 50% weapon recalled. C'est pas mal ça. Evasion action, c'est pas mal ça. Vendu. Target analysis, plus de dégâts. Oh, non, mais clairement. Weapon damage, ça c'est fou ça. Impact mitigation. Plus 15% damage to shield, c'est pas mal ça. Voilà, level 20. Excellent, tout au level 3, grosse agression. Hein. Elle. Pas de wing commander, ce sera pas un... Ce sera pas un hop. Health smash shift, 50% accélération, 10% top speed, c'est pas mal ça. Web. Ancien countermeasures, non. Mais impact mitigation, ouais. Hellmanship 2, ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Miranda Phobos, elle est max. Lui, elle est max. Toi, mon grand. Combat endurance, plus 15% maximum combat readiness. C'est pas mal ça. Mais après tout, c'est pas très grave. Ça, par contre, c'est cool. Power grid, plus 10% flux capacity, oui. 25% flux, oui. 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 Très bien. Pas mal. Toi, t'es déjà un wing commander, donc après, ce qu'il te faut, c'est des trucs pour faire des dégâts. Damage control,
ou ordonnance expertise. Plus de balistique et énergie projectile speed. C'est très bien ça. Et bah prends le level 3 et tu me fais rêver. Tu me fais rêver! Advancé de coup de terre mesure. Moins de dégâts d'Ikineti. C'est intéressant ça. Très bien ça. Plus de portée, c'est toujours bon. Toi, il faudrait absolument que tu apprennes ça à fond. Attends. Combat endurance. Là, tu apprendrais moins de malfonction. Non. Non, ouais. Gunnery implant. Ordonnance expertise. Gunnery implant. Ah. Gunnery implant. Manship. Combat endurance. Manship. Missile Specializations. Voilà. Alors... Reckless, agressive. Oups. Non. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on lui met comme vaisseau si elle est agressive, elle ? Celui-là, hein. Quoi qu'on peut lui mettre... Oh, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Le Daka. On lui met soit le Sonic, soit le Daka. On va lui mettre le Sonic, hein. Et idéalement, si elle pouvait avoir... ouais, là, ça, pour 10% de top speed en plus. Très bien, ça. Très bien, ça. Elle va partir à la chasse. La chasse. Ok. Meanwhile, j'ai 16 points. Je pourrais devenir moi aussi un carrier. Un wing commander si tu veux. J'ai appris aucune capacité de combat. Hein. De toute façon, moi j'envoie juste mes vaisseaux le faire à ma place. Hein. Donc ouais, je vais devenir un carrier, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je deviens un carrier, ouais. Carrier. Donc moins 15% de Crawlus, ok. 15% damage taken pour les petits vaisseaux, ok. 15% faster fighter replacement, ça c'est cool. Mais c'est pour tout le monde ça. Donc parce que je suis le commandant, ça c'est cool. Moins 1% cru, lost fighter in combat, moins 1% damage taken, 20% fighter replacement, c'est cool, mais non. 20% top speed et maneuverability, oui. 30 damage pour fighter missile et le target leading, oui. Et plus damage au destroyer est plus gros, oui, oui, oui. Et enfin, ça c'est pour le flux. C'est confirmé. Après ça, j'ai envie. Hein, colony management, ce sera utile plus tard. Hein. Ce sera utile. Hein. Je vais garder les points pour l'instant. Voilà. Ok, très bien. Jusque là, sauvegarde. Hein, ça s'est plutôt bien passé. Hein. On a réussi à récupérer assez de fuel pour aller partout dans l'univers. Enfin, partout, vous m'avez compris. Oh, ils pensent qu'ils peuvent faire quoi que ce soit. Brah ! Et voilà. Cuckhead. Allez, barrez-vous.
Ok, où aller maintenant? Voyons voir, Intel. Non, Intel, c'est eux, d'accord. Corvid Crow, ok. Et ça, c'est trop loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Surveille data pour perdition, c'est quoi ça? Débris. Mining station. Et surveille data pour Epsilon 5. Donc je le sais. Bon, on va continuer à explorer. Voyons voir. Alors, joli système. Deux étoiles jumelles, un anneau et un monde. Scan. Il y a un truc à côté du soleil. Ah! C'est-à-dire qu'on va devoir passer dedans, mais normalement. Vous voyez, on est dans le corona et pourtant, on perd pas bien plus de ressources que ça, pas trop. Un nébula. Non, bah non. Récupérons juste les ressources. Un peu dommage, mais. On a perdu quelques ressources, bien sûr, mais pas trop. En tout cas, deux soleils jumeaux qui orbitent l'un autour de l'autre, je trouve ça très fumé, hein, perso. Champ magnétique, mais tout va bien. Un monde désertique, fais voir. Petite atmosphère et grosse gravité, dommage. Et que de la merde. Ok, très bien. On se casse. C'était... dommage, il était neuf. Ouais, mais c'était pas... C'est pas... Les vaisseaux de transport, c'est pas non plus mon kiff, tu vois. Alors. Warning beacon. Danger high. Parfait. Voilà qui va nous permettre de nous refaire, je pense. Ok. Oh. Oh là 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 là. Mais oui, poursuivez-moi. Alors. Bonjour. Ok, très bien. On peut le jouer, on va jouer, hein. Très bien, les voilà. Ça va être un gros combat éreintant, mais allons-y. Je sors l'aloe vera. On y croit. Attention à lui, hein.
tient la ligne. Ça fluxe, mon gars! Ah bah ouais, ça retraite, hein! Ah, ça retraite! Ah bah, l'aspirateur, tout de suite! Il avait pas prévu de sucer autant, si tu veux! Allez, les calculettes Casio, allez! Fais-moi un graphique de ça, enculé! Push. Bon, va choper ce bâtard. Alors, hors de question que voilà. Achevez-le. Aucun survivant. Merci. Et eux, ils sont toujours en mode bol. Perdu aucun vaisseau. Servons-nous. Ouh, regardez-moi tout ça. Juteux, juteux, juteux. Ouh. Eh ben on va se laisser réparer si tu veux. Réparer. Ah bon déjà? C'est allé vite. C'est la combat readiness qui est un peu basse. Ah ben mais les réparations, finishing repair, le Pungi qui est à 5%, 95. Ah c'est la flotte perdue, mais la flotte perdue, mais c'est pas Blackjack guéri hein. Enfin c'est pas la flotte de l'Alliance nulle, tu sais, qui a des vaisseaux qui tiennent à peine la route. Là non, là on est bien. Je dois le dire. Ce serait bien même de les affronter en même temps. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein. Ouais, surtout lui qui a des super carrières. C'est ça la grosse flotte. Tac, je te tiens. Très bien. Oula, le Pikachu, qu'est-ce qui s'est passé? Retraite, mon grand. Ok. Alors lui, il est fini, lui. Oh là là, ça bourre, hein. Bada 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 bada. Oh putain les bombeurs. C'est bon, c'est bon. Dieu merci, mes points defense sont ultra solides.
Qu'est-ce que t'essaies de faire, toi? Il essaie une marouflerie! Il s'en sort pas. Allez, boum. Assaut total. Intercepte-moi cet enculé. Oh, le flux. Comment tu t'approches pas du Légion, gars? Oh, le drift des missiles, déjà vous. Aïe, aïe, aïe. Oh loulou, gros risque. Autre question que s'enfuit. Ok, très bien. Coaster Ship Recovery. Oh, je peux récupérer encore un Wolf Thunder. Super. Excellent. Ouh, bébé. Perfect. Oh, by the way, petite récupération, hein. Papy récup. On a perdu un gars, on s'en bat les couilles. Par contre, moins 200 par jour, hein. Ça coûte cher les répas. Et ça va aller bien vite. C'est parce qu'ils ont tous l'efficacité overhaul en fait. Qui fait que du coup, ils réparent vachement plus vite. Mais ça coûte plus cher. Mais enfin, ça coûte aussi cher, mais comme ils font ça plus vite, ça épuise les ressources plus vite. Ah non, c'est parce que j'ai trop de cargo, n'est-ce pas? Ah oui, genre beaucoup trop. C'est pas grave. Moi qui disais de la merde. Et j'ai même trop d'objets, très bien. Ok, très bien. T'es rechargé, ouais, l'essence. Bon, c'est pas grave. Donc là, si je les affronte, j'affronte deux flottes. La capacité de combat est à peu près prête pour tout le monde. Toi, t'es mode bold. Ouais, ok. Ok, that's it. Allons-y. J'ai que 227 pour me déployer. Je peux pas sortir tous mes croiseurs de soutien habituel, du moins. Je préfère sortir plein de petits croiseurs de soutien. Et on va voir si jamais ça passe, hein.
Ça va être dur. Ok, effectivement, grosse flotte, mais ça peut se faire. Ça tient. Ok, on a concentré notre énergie à droite. Voilà, le flanc devrait aller mieux là. Aïe. Aïe. C'est trop avancé, tourner dans le mauvais sens et essayer de se retourner, c'est un peu tard. Quel bordel! Pikachu Uri!
qu'on le force à reculer. Voilà, c'est bon, là, on est en train de lui mettre la pression. Voilà. Pas de point de commande. Ok, stop. Ça va être chaud pour lui. Rien à foutre. Tout va bien. Donc on est en train de faire une petite retraite très légère. Mais vraiment, c'est juste pour se mettre à respirer, les enfants. C'est juste une question d'équilibrage. Hein. C'est juste pour se regrouper et s'occuper de ces enculés aussi, là. Qui nous flanquent depuis le début. Parce que le Charles de Gaulle... Enfin, le Jacques Chirac, il est tellement dans un état minable... Allez, on commence à lui faire des dégâts. Merde. Oh là
fantastique. Ce retournement de situation. Allez. Full assaut. Nettoyez-moi cette merde. Il a pris tellement cher, il est fini. Et voilà. Achève-le. Ah putain, on a plus de flux. Ouh, ce tir. C'est beau ça. Ouh. Eh ben putain. Bon. Sanic, Disabled or Destroyed. Ouais, ça va être difficile. On va récupérer ce qu'on peut. Le Faucon, on peut récupérer. Sasuke, on peut. La Faciale de Maïs, on peut. Le Sanic, on peut. Et le Pikachu, on peut. On a tout récupéré. Oh, et un Aïkor. Et 6 Betacor, 12 Gamma. Toutes ces armes. Et bien sûr, des modèles exclusifs. Oh, le Flash. C'est quoi, ça? High Fighter Bomber. Ah non, c'est les proximités charges. Non, d'accord. Attends, quand si. Oh, ça a l'air ouf. Attends, très bien. Oula. Alors. Voilà, cargo. Fuel. Voilà. Déjà, on est bien pour les bonnes tailles. Hein. Ensuite, flotte. Voilà, besoin de réparation. Besoin de réparation lourd, je dirais. Sanic, il faut que tu reviennes. Le Pikachu et le Sasuke ont survécu. Le météore, va falloir que je l'équipe, mais on va voir ce que c'est. Ça aussi, les mods ball. Le faucon du millénaire, il est là. Et enfin, la faciale de missile, elle est là. Voilà, très bien. Et du coup, toi, est-ce qu'on peut te refit, du coup? Parce qu'on a des armes, là, maintenant. On a des armes. Qu'est-ce que je me dis avec ton truc? Un Dupio, hein? Graviton blaster. Oh, il y en a qu'un. Plasma caster, allez. Allez, hop, on se fait pas chier. On se fait pas chier, ça me fait plaisir. Voilà, double plasma caster. Et là, t'es viable. Prisme call, énergie. Piu piu, ouais. Tel solar shielding. Voilà. Et comment on l'appelle, lui, du coup? Comment on l'appelle, celui-là? Le Space Boy. C'est pas mal, ça. Le Zap. Il a quand même une gueule de spermato. Spermato. C'est valide. C'est valide. 187 plus 7. Pas mal comme vitesse. Hein. Bonne vitesse. Par contre, malheureusement, gros damage de flux. C'est peut-être intéressant de lui mettre Hardened Shield. Où est-ce? Il est là. Ça coûte 6. Ah. Ouais, ça vaudra la peine, je pense. Voilà. Ok, très bien. Donc lui, il est en train d'être construit. On s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est poubelle. Ça, on s'en fout. C'est poubelle. On va
Voilà, du coup, boum, on n'a pas besoin de le Moss Ball, il faut juste le préparer. Et du coup, il va Sonic Fast, 187. Ah, il va moins vite que 190 et 190, d'accord, il va moins vite que. Très bien. Il est là, super. Ça, c'est Moss Ball. Voilà, plus qu'à réparer tout ceci. Mais putain, en tout cas, ça leur a fait les pieds, hein, les robots. Moi, je serais les robots, je serais salé, hein. Surtout quand tu trouves 500 ressources et 800 de fuel dans la zone. Hein. T'es obligé d'abandonner. Mais propre. Hein. Encore. Hein. Sensor contact non identifié, effectivement. Ah oui, il y a un débris ici. Je crois que j'avais fouillé, mais celui-là, j'avais pas fouillé de débris. Voilà. Oh oh oh, plasma cannon. Voilà qui est sexy. Ok, très bien. Go in dark. Cherche ma flotte. Pas tout de suite, hein. Mais bon. Oh oh, une habitation orbitale. Ouf. Oh. Explore. Des défenses automatiques. Réglé, très bien, c'est allé vite. Ensuite, wouhou! Alors, et c'est tout. Ah, voilà, des relics ship. Oh, de la taille d'un croiseur au centre du HS Star System. Et on fait des récupérations. Hey, mais. Bien. Pas mal. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Pulse. Oh. Des vaisseaux secrets. C'est appris. Alors, il faut que j'abandonne une partie de ça. Qu'est-ce qu'il faut que j'abandonne d'autre? Les gravitons beam. J'ai pas besoin d'autant de salamander. Ni de ça. Ça, ça. Ouais, ça fera pas la différence. Hein. Ça fera pas la différence. Hein. J'ai bien peur que ce soit la bouffe que j'ai pris. Ouais, c'est beaucoup de bouffe. Hein. Voilà. Beaucoup de bouffe, beaucoup de fuel. Ok. Phew. Et donc là, il y a une base Remnant, on est d'accord. Hein. Salut les aliens! Oh, qu'est-ce que c'est que tout ce beau monde? Oh non! Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, mais des vaisseaux... des vaisseaux perdus? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce vaisseau du mal? Qu'est-ce que c'est que ces vaisseaux du mal? Beaucoup de croiseurs, beaucoup de trucs. Comment se porte la flotte? Mais c'est qu'on est en état absolument parfait. Même le Jacques Chirac, il est presque réparé. On est prêt? On est prêt à leur mettre la bouche? Ah oui, c'est vrai. On l'a pas mis, elle. Ah bah si, on l'a mis. C'est juste que son vaisseau a explosé. Très bien.
va la mettre à bord du Pungi. Le Pungi nécessite quelqu'un de poser et de pondérer. Je la mets à bord du Pungi. Shimui, ton target analysis avec quoi? Plus 15 damage to shield. Oh. Damage control, non. Helmmanship, oui. Gunnery implant seulement si tu peux aller level 3. Helmmanship level 3, c'est très bien. Evasive action, damage control, evasive action. Power grid modulation, power grid modulation, power grid modulation. Evasive action, evasive action. Oh là 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 là. Pas mal. Avec ça, je suis en confiance. Je me dis, est-ce que j'affronte les deux en même temps? Adieu, minable. J'attends. Et c'est le demi-tour agressif. Je te tiens. Et du coup, ouais, j'affronte que leur flotte à eux, c'est bien. Ouais, parce que sinon ça aurait été trop. Hein. Ah, je prends un carrier en moins. Mais au moins j'ai une véritable armée de vaisseaux qui m'accorderont un avantage absolument certain. Espérons qu'il n'y ait pas d'accident. Pas d'accident. Pas d'accident. Pas d'accident. Accident. Petit accident. Accrochage. Celle qui pinote le Sonic est une femme chinoise. Le petit accrochage de rien du tout. On se réarrange, on se réarrange. Manger des pommes. Tellement de drones. D'où Jésus. Oh, tellement de morts. Oh, leurs drones. Ils sont faits mais énuclés. Et qu'est-ce, ma, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Timeless class drone mothership hive. Écoute. Commençons par concentrer. Voilà, overload. Donc lui, il est fini. Il est pas fini, d'accord, ça me surprend. Pungi, tu vas exporter lui, hein. Enfin, tu vas protéger lui, hein. Attention à pas trop vous séparer. Ouh là là. Thank you.
l'instant, on est toujours paqué, hein. C'est pas mal, hein. Réduit Coco 2. Il est tout seul. On pousse, on pénètre. Spermato a été détruit. On le tient, on le tient, on le tient, on le tient, on le tient. Fou l'assaut. Nettoyez-moi toute cette merde. Balayez le reste. Voilà. Ça fluxe en plein combat, hein. Ça provoque, hein. Ça provoque. Aucun respect. Il est en train de fondre. Ah merde, le Sasuke a explosé. Ça m'apprendra à prendre des vaisseaux de pirates. Les vaisseaux banco, quoi. Les vaisseaux de la bancalité. Allez, victoire. Fou. Sasuke. J'avoue. Ah, c'est le spermato qui a été détruit. On peut le récupérer en plus, c'est gratuit. Ok. Disparax Plasma Canon. Eh bah très bien. Et un Reparax Blaster, super. Et plein de petits Nenparax Beamer, excellent, c'est des excellents beamers ça. Allez, on prend tout. Pose ça. On a un peu trop de merdier, c'est pas le métal, si, pose le métal. On a encore un peu trop de merdier. Pose des organiques, on s'en bat les couilles. Ouais, ok. Phew, bébé. On n'a pas fini, hein, de piller l'endroit. Boum. Encore un peu trop. Pose des machines. Quoi que machines, ça vaut cher. Hein. Ça vaut grave cher. Pose des organiques. Pose la totalité des organiques. Pose la bouffe. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Merde, j'ai trop de fuel. Ça scavenge. Honteusement. Allez. On lui met la petite distance. Histoire de lui faire comprendre que c'est pas tolérable, hein, de sa part. On attend d'être un peu réparé, un peu plus près, si tu veux.
Le Sanic, les réparations sont terminées, c'est allé vite. Ah non, c'est le spermatose, ok. Spermato, du coup, est-ce que je peux changer ça pour des Nenparax Beamer? Bah oui, oui, je peux, oui. Très bien, ça. C'est bien de pouvoir mettre des beams. Grosses armes quand même. Grosses armes du futur. Juste pour être chiant pour lui. Même s'il est pété. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à bord d'un vaisseau? Non, c'est bon, tout le monde a survécu. Excellent, tout le monde a survécu, mais voilà les bonnes nouvelles. Du coup, ça veut dire qu'on peut revenir vers la base et affronter cette flotte en même temps. Ainsi qu'activer cette navigation de bouée et tout ceci. Bah, très bien, terrible Toshi. Il y a tellement de choses là. Il faut absolument qu'on en termine avec cet ordre remnant, cependant. Donc on va encore on va les balader. Hein. Alors, voyons voir tout ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Discover Derelict Ship, Nightblade Troop Transport, Astral Class Carrier, Opportunity Class Heavy Cruiser, pas mal ça, Henchman Class Troop Ship et d'autres choses. Voyons voir, voyons, voyons voir. Ouh là là, tellement de choses. Rien de récupérable, quel dommage, on progresse. And by the way, voilà, est-ce que je peux abandonner un peu de fuel? Parce que d'avance, j'en récupérais plus, c'est sûr. Voilà, ça c'est disparu. Attends, quoi que non, cargo pods, ok. Rien de récupérable, malheureusement. La tristesse de la tristitude. Heavy Cruiser, ça par contre ça me parle. Malheureusement, nous sommes occupés à cause de ce bâtard. Donc allons-y. Alors, on n'est pas en combat readiness parfait. Lui, il peut. Déployer ça. Parfait.
Même stratégie qu'avant. Voilà. Stratégie défensive. Parce que j'ai clairement une flotte qui est faite pour le Arras. Qu'est-ce qui nous met des dégâts? D'accord, ça ok. Très bien. Ça boue, hein. Edin. Ils sont mal organisés, ils nous attaquent mal. Donc on devrait être pas mal. Cette IA par exemple, regarde, elle est trop proche. Du coup, elle est au milieu de tous les feux. Et elle prend tout, ouais. Risque là. Prends du risque là. Bien joué. Pour l'instant, on reste plutôt assez groupé, hein, donc on est bien. On est bien. À un moment, je vais faire une poussée. Mais j'attends qu'au moins un ou deux. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est un carrier, ok. Super. J'ai bien fait de mettre les rayons à ion, hein. C'était une très intelligente de ma part. Le Ferrara. Demande la permission de partir en retraite. Oui, il part en retraite. Aïe, 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 aïe. Le Ferrara qui vient d'exploser. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tel que l'on est là. J'ai besoin de vous rallier le point. Et même que vous poussiez. Avec vous deux. Qui vous attaquez à lui si tu veux. Et vous. Non, et vous trois là. Sauf lui. Vous attaquez à eux. Très bien. Très bien. Et là on pousse. Attention toi, attention. Ah lui il se fait pousser sa merde, hein. Il se fait pousser son caca.
avec un immense gland. Ouh. Parfait. Full assaut les enfants, bien joué. Voilà, très bien. Il reste plus que lui éventuellement en bas à droite là, mais... Apparemment vous voulez pas comprendre. Vous là. Vous là. Vous là. Voilà. Si, si ça peut vous aider à être plus clair. Hein. Très bien. Là. Ah, il zigzague, hein. Il a peur pour son bouclier, lui. Hein. Ils sont assez fous, ces drones. Hein. Avec le laser vert, là. Encerclé. Ah, il a nulle part où aller si tu veux. C'est terminé, voilà. Victoire. Fou. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Alors déjà tout ce qu'on nous a pété. Waouh. Je peux récupérer un vaisseau alien. Excellent. Eh ben allons-y. Servons-nous de Alpha Corps. C'est de ça que je parle. C'est avec ça qu'on entretient la conversation. Balance les valises, on s'en bat les couilles. Ok. Ouh. Bébé. Ouh, bébé. Balance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a trop de ressources. On a trop de ressources. Balance un peu de gaz, écoute. Balance le gaz de schiste. Balance des machines. C'est bon, là on est bien. Non, même pas, putain, même pas encore. Voilà, c'est bon. On est bien. Phew. On va attendre un peu de temps, hein, le temps que mes ressources tombent un peu. Et que tout soit réparé. Voilà, ce qui fait que tout se répare, si tu veux, petit à petit. Aussi, dans la flotte. Alors, ça, il est en train de se faire réparer, le Ferrara. Mais le Ferrara m'a déçu. Pour l'instant, il est pas top comme croiseur. Hein. Je vais le renommer. Voilà. Nave rien. Par contre, ce vaisseau là, ce Philips Head, putain, pourquoi il s'appelle Philips Head d'ailleurs? Comment on l'appelle? Mais lui, c'est un Zygma, mais plus agressif encore. Hein. Le Zygma 2. Zygma Ultra Instinct. Écoute, Zygma 2. Allez, vendu. Alors, le Sanic qui se fait réparer, bien sûr. Le Sanic, il est toujours détruit. Mais il est tellement rapide, il est tellement pratique, si tu veux.
Ça, j'ai un Phyrex, ouais. Et enfin, le Bountiful, qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, j'ai des Mining Drones standard. Puis, je peux choisir d'y mettre des Lux Heavy Fighter. Et plus de Lux Heavy Fighter, si tu veux. Medium Synergy Tourette. Oh là là là, ça a l'air fou. Intégrité de targeting unique pour tous les lasers. Safety Override. Mais non, mais enlève-moi ça. La prise de risque. Pulse Core Déviant. Plus assez de points. Voilà. Avec ça, c'est une très mauvaise idée. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Virer ça, mettre l'Advanced Optics, ok. Voilà. Et puis, tant pis. Mais il devrait être solide, hein. Et il a quoi comme super pouvoir? Augmente le dommage fait par toutes les armes à énergie. Ah, ça marche pour le beam? Ah non, c'est énergie, ok. Oh, super! Eh ben putain. Ça piou piou, hein. Ça piou piou, ça piou piou. Il n'y a pas le Solar Shield, il faut que je me pose à une base pour mettre le Solar Shield, les enfants. Donc c'est mort. Comment je l'appelle? Le Skynet? Le robot chiotte? Le Mugatron. Pour un plus gros vaisseau, promis. Merde. Le Calder, allez, vendu. C'est un robot. Pulse corps déviant, tout Jésus. J'aime pas ce que ça veut dire, c'est quoi? Voilà. Ok. Super, on attend que mes ressources s'épuisent un peu. Voilà. Puis on fait un peu de salvage. Voilà, super. Tant pis pour les drogues. Tant pis pour le fuel. Tant pis pour les machines. Ben non, on va attendre. Voilà. Alors, tout ceci sont des cargopodes. Ça, c'est un Opportunity Class Heavy Cruiser. Ça nous excite. 111 crew. Wouh! Et de la merde. Tant pis. Astral Class Carrier. Il est mort. Nightblade.
Un henchman. Trop de merdier. D'accord, j'ai trop de merdier. Merde. Qu'est-ce que je pose ? Gaz. Pas tout le gaz. Il faut garder un peu de gaz. Quelques machines. Quelques machines. Un Circé. Rien de récupérable. Eh ben merde alors. C'est la baisse. Allez, nique le transplutonium. Oh là 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 là. Quelles hermies. Quelles hermies impossibles. Et au final, là, j'ai abandonné juste des milliards de cargopodes. Ok. Et une dernière flotte, hein, qui cherche. Cherche les emmerdes, hein. Gros vaisseau en plus, hein, ça cherche les emmerdes. Quoique ça farme bien aussi, hein. Par contre, je vais pas aussi vite que ce que je pensais aller, hein. Ouh. Ouh. Loin de moi l'idée de vouloir affronter les deux en même temps. Bon. Merde. Et merde. C'est pas grave. Oui. Supplie cache. Oh, il y avait même une weapon cache là, merde. Elle me fait poursuivre. Putain, parce que je me fais poursuivre, tout ceci est impossible. Vous me voyez là? Des débris. Ok, il n'y avait rien, très bien. Ah non! Oh non! Avec des bisous. Sensor Array, Reine Ordo. Waouh, mais waouh! Combien il y en a de ces armées Remnant? C'est fou! Alors, et ça? Arid Lifeless World avec un Remnant Nexus. Bon, on va continuer de faire la guerre. On va continuer de faire la guerre à ces saletés, hein? Pas de raison! Pas de raison, pas de raison! Salut! Allons-y. Alors. Oula, j'ai pas beaucoup de... Ouais, va falloir attirer un vaisseau. Si je veux avoir mon support. Mais éventuellement... Ouais. Si je veux le support des petits, il va falloir... voilà. Elle est vendue. Non, attends.
Toujours la même stratégie, hein. Voilà. Ok, tous les drones sont morts, c'est allé vite. Avancez pas plus. Regardez là, hein, voilà. Retraite. Mais t'avances pas trop, t'as plus de flux du con. Mais quel débilus. Tu peux même pas tirer, regarde ça. Mais quel con. Vu qu'ils comprennent rien, allez! Celle qui est suicidaire, ouais. Forcément. Et quel code. Oh là 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 là, cet affrontement s'est absolument pas passé comme prévu. D'où Jésus. Regarde-moi cet encerclement, quoi. Pourquoi l'ordi il encercle aussi bien? Moi j'encercle rien du tout, c'est chiant. En même temps, je leur donne l'ordre de rester groupés aussi, c'est vrai. Ouais, mais là t'es à full flou, t'es au corps à corps, c'est bon, ce combat est perdu. Ok, très bien. Donc là, on est bien. J'ai des points, j'ai plus de points à mettre. Hey, est-ce que ça changerait quoi que ce soit? Non, hein.
Voilà qui sera utile, hein, enfin. Des setups, hein. Mais mais tu vas où? Bon, bah il va quelque part. Tu vas la jouer, hein? Ok. Mais je t'ai demandé 1000 fois. Pourquoi il a pas voulu? Pourquoi il a pas voulu? Pourquoi il a pas voulu faire retraite? Pourquoi quand tu fais clic droit, le PC il obéit jamais? Je la recule. Et elle recule pas. D'accord, très bien. Pourtant ça se fait, hein.
Recule! Quel génie! Je vous déteste. Tiens, vas-y, balade-toi dans la corona d'un soleil. Ah, tu brûles, hein? Ah, il fait chaud, hein? Ah oui. Ah bah oui. Allez. Ferrara, où est-il ?
Eh ben, décidément, je sais pas pourquoi dans cette bataille on m'autorise pas à prendre plus de vaisseaux que ça. Mais ils ont un truc, mais ils me baisent. Hein. Je sais pas si c'est pas ça qui me donne l'avantage, mais d'où Jésus. Hein. On va pas prendre le Jacques Chirac. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux. Commence alors. Ok.
fais-leur peur. Voilà, tu sers à leur faire peur. C'est à ça que tu sers. Très bien. Ça devrait les occuper pendant quelques instants. Ok, ils sont bien divisés. Ça l'occupe. Et... Pas de renfort possible.
bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous séparés. J'ai perdu un croiseur, mais c'est pas très grave. Surtout que lui, il a survécu. Hein. Il continue de l'occuper. Hein. Tant que ça l'occupe. Hein. Tant que ça l'occupe, ça l'occupe. Hein. Là, il est en train de faire un retour parce qu'il se rend compte de la supercherie, là. Il se rend compte de la fourberie de ce capin que je suis en train de lui mettre, là. Ils ont fini par réussir à nous encercler, les enculés, c'est ouf! On n'arrivera pas à leur péter un porte-avions. Hein. Ah bien après le combat si ça valait la peine. Enfin.
Aïe aïe aïe. Mes trois carrières qui ont explosé quoi. Quel bordel. Et le Pungi putain. C'est ça. Oh là là, il fluxe en face, hein. S'en bat les couilles. Oh là là. Ok, on a réussi à les avoir un peu en débandade. Encore un problème. Compliqué. Enfin, la situation se débloque. S'approche, hein. Ça va au cac, hein. Allez. J'ai plus rien à envoyer, hein. Tous mes vaisseaux sont en combat ou morts. J'espère qu'ils sont récupérables, ce serait dommage. Oh well.
Pascal Ferrara, il a tenu. Ah, Dieu merci. Le Zygma 2, le Pungi, le Angry Panda, le Calder, le Kokoda, le Greyfoxy, le Pikachu et l'Afghanistan. Les seuls vaisseaux qui en valaient la peine. Servons-nous. Alors, pas de Alpha Corps, malheureusement. Mais... les armes. Et surtout une quantité de ressources absolument folle. Qui nous seront somme toute très utiles, hein, faut l'avouer. Alors du coup... ok. Ouh. Ça coûte cher, mais c'est pas grave, ce n'est que des supplies. Ok. Fulgent classe drone ship. On se récupère pas ça, non? Understrength, ouais, je sais. Et il nous manque des gens, mais réparer. Hein. Réparer. Hein. On va juste rentrer à la maison là. Extra cargo capacité, putain, c'est tellement cher. Les capacités de cargo de trop, c'est tellement cher. Comme ça vaut des thunes. Ça, c'est en orbite stable. C'est bon, je peux récupérer le cargo et notamment récupérer les précieuses ressources. C'est pas celle-là? Si, c'est ça. Parfait. Grosse baston, hein? C'est quoi cette flotte toute déglingo, j'avoue? Thank you.
Sniqueux. Hey, et puis des ruines, mon gars. Et c'est habitable, mais c'est juste une planète de merde. Fouille les ruines. Allez, bébé. Du corps. Oh oui. Oh, bébé. On a un peu trop de ressources. Je veux dire que nous avons un peu trop de machines. Voilà, très bien. Habitation orbitale. Habitation orbitale, yeah. Merde, ils m'ont vu. Merde, ils m'ont vu aussi. Trois étoiles. Oups. Oups. C'est brave, hein. Fais voir, attends. Ship maintenant, soit ok, ok. On les sème. Eux, ils sont hostiles, mais c'est clairement pas un danger, si tu veux. Bon. Excusez-moi, chat a fait n'importe quoi. Ok, 4 flottes, 7 bases aliens à la con. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cet habitat orbital. Allez, c'est ça, moi, que je voulais. Voilà, et de la merde. Somme toute, pas grand chose. Pas grand chose qui n'en valait la peine. Supplie cash. Voilà. Oh, un Nautilus. Très bien, on recover ça.
On n'a pas les gens, mais on s'en bat les couilles. Et là, il y a une weapon cache. Fais-moi rêver. Pas mal des plans. Des plans et des armes. Bon. Bah, somme toute... On abandonne le reste de foot qui reste. Bouf. Voilà. Oups. Et là, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens? Ah bah non, on est en crew under strength. Ok, ouais. Ouais, c'est mort. Hein. C'est mort, c'est mort. Mais sinon, est-ce qu'on avait les moyens de détruire une base spatiale, si tu veux? Bon, allez. On se casse. Et surtout, on n'oublie pas le dab. Dab. Ouh. Ouh. Eh mais putain, le système de Bell, il déconne zéro. Hein. Rentrons chez nous, dans le système de Epsilon Ran. Pouf. Grey Foxy est réparé, bien. Neutre, d'accord. Ok. Alors, gros incentive. Est-ce que j'ai des thunes? Ouais, j'ai un peu de thunes, c'est bien. Allez, hop. On va motiver les gens à venir. Est-ce que je peux rajouter une structure? Non. Parce que ma colony size est presque niveau 5. Bien, je pourrais presque rajouter le heavy industry que je voulais rajouter depuis le temps. Excellent. Qu'est-ce qui nous manque? Tout. Ah, enfin, ça commence à produire des choses. Domestic goods, c'est cool. Luxury goods, c'est cool. Wait. Storage. 55 gamma core. Bon. Je confirme. Voilà, des belles réserves pour ma colonie. Ça c'est cool. Ma colonie commence à avoir des réserves assez honorables. Des mentions spéciales, bien si tu veux. Ensuite, colonie info, on peut pour l'instant rien en faire, donc faut que ça pousse. On attend que ça pousse, et le monde forge qui est juste à côté. Très bien, très bien. On peut lâcher quelques machines, on en trouvera. Le fuel, il y en a plein, et on peut lâcher surtout quelques ressources. Voilà. Excellent. Storage, y'a rien ici, c'est que de la stockpile. Ok, très bien. Et 5000 de métaux. Hey! Je peux les vendre du coup? Ou on s'en bat les couilles?
pas grand chose, mais écoute. Size 4. C'est-à-dire que je peux pas encore construire quoi que ce soit. Hein. Ouais, bien sûr. Malheureusement, tant pis. Gros incentive, on va payer un peu d'argent, histoire de les motiver à grossir. Light Industry. Mining. Va commencer à falloir connecter les robots. Ok, alors attends. Déjà, flotte. Alors, qu'est-ce qu'on va poser? Qu'est-ce qu'on va prendre? Je suis pas très impressionné par le Pikachu. Je le pose, le Kokoda fait toujours le taf. Lui, du coup. Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Strip. Missile et deux small energy. Et il va à quelle vitesse? 130. Et c'est un vaisseau civil. Oh là 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 là. Ain't nobody got time for that. Allez. Ça, il est très très bien. Small energy, medium energy, fighter bay. Comparé à lui. Web. On va donc rentrer le Charles de Gaulle. Après l'avoir vidé, bien sûr. Voilà. Et le remplacer avantageusement par le Calder. Ensuite, le Hungry Panda, le Grey Fluxy et l'Afghanistan sont tous les trois des très bons vaisseaux, mais on va les ranger pour l'instant. N'en gardez qu'un seul. On va prendre le Hard Quina. Quoi qu'il est en quel état, erratic fuel, compressor, faulty power grid, dégradé engine. Non, il est pas très bien. On a malheureusement pas les moyens de le restaurer pour l'instant. Ouais, ça coûte